Vous écoutez Les Films dans le Cabanon, un podcast sur le pire du cinéma, ou plutôt le meilleur du pire. C'est pas parce qu'on est à l'extérieur de notre décor qu'on prend pas une bière pendant nos enregistrements. Il n'est pas question qu'on écoute ces films-là complètement sobres. D'ailleurs, j'aimerais remercier la microbrasserie Les Grands Bois pour leurs excellentes bières. Je remercie aussi Cuisinic. Si jamais vous cherchez un ébéniste pour chez vous, pour votre chalet, où vous voulez en fait, allez voir ce que Cuisinic fait sur Facebook, Instagram, c'est malade. Et cette semaine, on reçoit Mathieu Tessier des Grands Bois pour parler d'un film qui est quand même pourri, mais qui heureusement bénéficie d'une bonne bière à son nom, Robot Vampire 2. Bienvenue dans le cabanon, mais pas tant dans le cabanon. On est de retour en confinement. C'était trop beau pour être vrai. On a été de retour dans notre décor, quoi, le temps de 3 épisodes, je pense? À peu près. Ouais. Mais... au moins, on se console parce qu'on est en compagnie de notre ami des Grands Bois, Mathieu Tessier, alias Matt Falco. Yeah. Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ça va très bien. C'est de ta faute, Mathieu, si on parle de Robot Vampire 2 à soir, parce que après la Robot Vampire 1, vous récidivez chez les Grands Bois et vous sortez... La Robot Vampire 2, La Revanche des Cannibales. Je suis quand même content de savoir que c'est pas une série de 12 films, je vais t'avouer. Là. Tant qu'il y a des films! Mais parle-nous de la bière, parce qu'elle a quand même quelque chose de bien différent. Le terme qui est écrit dessus, c'est une Grog Disweik, qui ça existe pas comme terme de bière. On a mixé un style avec une levure. Une levure qui est quand même à la mode de ce temps-ci, fait que c'est pour ça qu'on l'a plugué, mais c'est une Gradzer qui est une bière polonaise légèrement fumée, une bière de soif polonaise fumée, qu'on a mis une levure Kveik, qui est une levure norvégienne. Puis on a mis quand même un peu d'eau blond. Fait que ça fait une petite bière de soif à 3,5% d'alcool, légèrement fumée, mais tu sais, qui agresse vraiment pas le gros bacon ou le gros toasté. Il est tout toasté. C'est le genre de bière qui peut se marier super bien, autant, tu sais, comme on la boit le même, bière de soif, mais tu sais, tu mixes ça avec un jambon, tu mixes ça aussi, tu fais un pairing avec des scotch. Ça peut être vraiment quelque chose qui peut se mixer avec plein de d'autres choses que la bière. Fait que c'est une petite bière passe-partout. Funky. Au moment d'enregistrer, cette bière-là est disponible juste à votre boutique. Yes. Mais quand l'épisode va sortir, je pense qu'on va être à quelques jours qu'il y ait un deuxième brassin disponible dans tous les points de vente. Oui, ben c'est ça. Nous autres, on l'a sorti juste un petit batch parce que le gros de la batch de bière est caché à quelque part. On ne peut pas en parler, mais la bière est cachée à quelque part. Ouais. Puis là, on a décidé de faire un deuxième brassin pour la sortir début décembre. Fait que tout dépendant de la date que ça sort, ben il va en avoir dans les détaillants spécialisés du Québec puis dans la plupart des points de vente, puisqu'il y a déjà des Grands Bois. Là. Je pense peut-être pas tout le monde va l'apprendre, mais la plupart vont clairement l'essayer. Là. D'ailleurs, on reçoit souvent des messages à savoir où est-ce que la bière des Grands Bois est disponible. Il y a des gens qui nous écoutent dans plein de régions, oui, qui sont comme « Hey, je ne sais pas s'il y a un point de vente. » Sur le site des Grands Bois, je pense que tous vos points de vente sont à jour. C'est pas à jour, mais c'est à jour genre là 4 mois. Fait que, genre 4-5 mois. Fait que, la plupart sont là. C'est sûr qu'il faut remettre ça à jour, mais je ne mettrai pas ça à jour à chaque semaine. C'est beaucoup, beaucoup de temps. Mais on va mettre ça à jour bientôt pour être sûr que tout le monde puisse voir où est-ce qu'il y a de la bière des Grands Bois. Fait que, c'est ça, sur le site Internet. Parfait. Bon. Sinon, le numéro de téléphone de Mathieu, c'est le 819. On continue à 819, c'est correct, ils ne me trouveront pas. Je vais donner le numéro d'Anto. Bon. On parle de Devil's Dynamite ou Robot Vampire 2. Devil's Dynamite, c'est un film sans démon et sans dynamite. Puis, sans robot. Sans robot. Ben ouais, sans robot. T'as bien c'est pas un robot, là. Puis avec des vampires discutables. Fait que tout dans le titre est discutable. Puis même si on regarde le poster, on devrait y retrouver dans le film des ninjas bleus, des rocket launchers, des machine guns, des hélicoptères. Puis il n'y a rien de tout ça dans le film. Très trompeur comme branding, on va se le dire. Ouais.
Puis tout comme le premier film, Robot Vampire 2, c'est un film cut and paste distribué par Filmark International. Un petit rappel, on en avait parlé. On avait parlé de deux en un ou deux pour un, je me souviens bien, dans l'épisode de Robot Vampire 1 en juillet. Le cut and paste, en fait, c'est des films qui sont issus de remontages de d'autres films. C'était la signature de Godfrey Ho puis de Filmark International de reprendre des images de leurs propres films pour faire des nouveaux films. Dans le cas de Devil's Dynamite, c'est des images de Giant of Casino puis de Stunning Gambling. C'est très facile, en fait, de valider ça parce que, par exemple, Giant of Casino, il est sur YouTube puis il y a carrément un chunk du film qui est copié-collé dans Devil's Dynamite. Là, puis dans les premières minutes, là, est monté exactement pareil. Fan翠，我记得呢支枪系10年前我送俾你嘅，估唔到今日攞嚟对付我。你擅入我间房，为咗自卫，我要开枪噶。傻女，我已经将子弹近晒出嚟啦。 D'ailleurs, le dernier de Stunning Gambling a aussi servi au cut and paste de Ninja the Violent Sorcerer. The Sorcerer! Vous savez comment j'ai de la misère avec les ça pour dire que tu sais, les films servent dans un film puis dans un autre film, puis ça s'entremêle comme ça. Puis d'ailleurs, j'ai lu que des acteurs récurrents de ce réalisateur-là, de Godfrey Ho, notamment un acteur qui s'appelle Richard Harrison, s'était senti bien floué par ce processus-là, parce que les acteurs se font demander de jouer des mêmes scènes différemment, puis au final, se retrouvent dans comme 15 films, mais ils ont été payés pour un. Une fois. C'est comme super malhonnête. Fait que, c'est drôle. En plus de notre recherche, tu sais, c'est une bonne affaire, en fait, qu'on soit revenu sur Robot Vampire 2, parce que ça nous a permis de comprendre un peu mieux des trucs qu'on n'avait pas saisis avec Robot Vampire 1. Parce que toute l'histoire de Godfrey Ho puis Filmark International, c'est super flou. C'est super flou, puis il y a des trous, il y a des zones grises dans cette histoire-là. Le building de cette entreprise-là a passé au feu, puis il aurait tué un paquet d'employés, dont leur producteur, mais encore là, tout est super nébuleux. T'sais. Ça, le feu qu'on voit à la fin. Peut-être. Ouais, c'est ça qu'ils ont cette bâtisse. Au lieu de sauver le monde, on part la caméra, ouais. Part la caméra, ouais. On a du footage, gang, pour au moins 10 films. On sauve l'argent. Non, mais moi, j'attends la Robot Vampire 3 en 2021 pour pouvoir encore plus clarifier cette histoire-là. Tu sais, peut-être qu'on va faire un pèlerinage à Hong Kong pour aller comprendre ce qui s'est passé. Ben, il y en a combien des films de Robot Vampire? Je pense qu'il y en a 3. Ah ouais? OK. Même Robot Vampire 2 n'a pas rapport avec Robot Vampire. Tu sais, tu regardes ça, puis il n'y a pas plus ou moins. Les vampires, il n'y a pas de robots. Y a pas non, mais tu sais, en fait, tu as les mêmes vampires que dans Robot Vampire 1, mettons. Fait que là, mettons, ça ressemble au premier. Puis le robot, ben là, lui, il est vraiment plus Power Rangers que robot, en fait. Là. Ouais. Moi, j'ai vraiment, à chaque fois que je voyais, là, c'est clairement un Power Rangers avec un écharpe en argent. Là, t'sais, genre, t'sais, ouais, mais son écharpe, ça ressemble plus à une serviette à main, en fait. Ouais, ouais. Son costume, en général, on dirait que c'est une classe de. J'ai noté, on dirait que c'est une classe de secondaire 3 qui fait un musical de Robocop. costume dégueulasse. À la limite, plus astronaute même que robot. Ouais, le casque, il fait astronaute. Là. Il fait genre, j'ai une moto en 72. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, même les vampires, je pense que c'est pas propre à cette série-là de films parce que c'est des. J'ai lu que c'est des. Ça fait partie du folklore chinois. Ça s'appelle des Yangshi ou Jiangshi. C'est des vampires qui sont de même, qui sautent sur place, puis ça fait partie du folklore. Fait que d'après moi, il y a plein de films avec ce type de vampire-là. Okay. Fait que c'est pas exclusif à ouais, okay. Ils sautent comment, Joël? Vas-y donc avec tes deux mains. Ben, je peux pas, je suis assis, fait que ça va mal sauter. Ah, ok, ok. Et le bout en 3D du podcast. Puis tu sais, pour dire à quel point, en fait, que le 2 n'a pas rapport avec le 1, Robot Vampire 2, Devil's Dynamite, est sorti en 87, puis le 1 est sorti en 88.
Ouais, puis le 3 en 72. Mais en fait, j'ai pas trouvé. Je me suis posé la question. Fait que j'ai écrit à Simon Lacroix de Total Crap pour essayer de comprendre le phénomène. Puis on pense. En fait, il a juste validé ce que je pensais. On pense que le film a été brandé une deuxième fois. En fait, c'est un film qui existait déjà, qui s'appelait probablement Devil's Dynamite. Puis ils ont collé Robot Vampire 2 pour y redonner un second souffle, en fait. Sûrement parce que Robot Vampire 1, ça l'a pogné en tabarnak. Ouais, c'est ça. Ben, quand même plus que le 2, honnêtement. Il y a beaucoup plus de traces de Robot Vampire 1 que de Robot Vampire 2 sur Internet. Le but, je l'ai trouvé quand même pas si pire, là. Tu sais, comparé au 1, il était, était plus facile à suivre. Ouais, exact. Ben oui, il y a plus de qualité de production au 2 ouais. qu'au 1. Là. Moi, j'ai pas ri, en fait. Tu sais, dans le sens que tout ce qu'on avait à rire, mettons, on le rit dans le 1, puis dans le 2, c'est comme s'il arrivait avec de quoi, c'est juste mieux fait, mais partout. Il y a plus de kung-fu, il y a plus de scènes de combat corps à corps. Ouais, dans le premier, ce qui est à la place, c'est les scènes de gun interminables. Ouais. Dans le 2, il n'y en a presque pas, c'est plus du combat corps à corps, mais tu sais, c'est pas mal fait, c'est des chorégraphies de films de kung-fu de l'époque, là. C'est standard. C'est exact, là. Exact. C'est les effets sonores qui sont quelque chose, qui rajoutent le petit côté spécial, là, les coups de d'épée puis de bras, moi ça me faisait capoter. J'étais comme, c'est quoi la bande la banque sonore qu'ils ont pris pour ça là? Ah, les mêmes, tous les films de Kung-Fu, c'est les mêmes sons. C'est-tu la banque de bruit de GoldenEye, Non, même pas. Non, aucun bruit de GoldenEye là-dedans. Je suis un peu déçu. C'est vrai, moi, une coupe de place, j'ai noté. C'est-tu GoldenEye, ça? Je n'étais pas sûr. Ben, juste une petite parenthèse. Dernièrement, on a fait un live, puis on a parlé j'ai parlé des Boys. Juste dire que dans les Boys 1 et 2, il y a des sons de GoldenEye. Hein? Ben, là, tu sais. Ouais. Dans le 3, quand Méo il arrive, ah, je passe au guichet, là, puis lui, il s'en va péter la gueule à un gars, là, puis il fait les sons de GoldenEye. Puis il fait tout. Ouh, ah, ouh, il pète la gueule, puis il s'entend en background. Puis tout ça, c'était ma petite parenthèse GoldenEye. Hey, tu me donnes la fête, oui? Oh, il passe là! OK, bon, ben Devil's Dynamite, c'est un film d'action d'une durée de 89 minutes qui nous provient d'Hong Kong et le synopsis du film va comme suit. Un maléfique trafiquant américain charge un prêtre taoïste possédé de diriger une armée de vampires contre tous ceux qui s'opposent à lui. Heureusement, les forces du bien veillent en la personne d'Alex qui intervient régulièrement vêtu d'un magnifique costume de héros argenté. Ouais. Oh wow! J'attendais le commentaire sur le magnifique costume de héros argenté. On dirait un costume de, tu sais, je pense que c'est dans les années 80, le monde il portait ça, une espèce de costume argenté pour perdre du poids, là. Oui, comme, oui. Il y avait un truc, je pense que tu portais ça, tu faisais pas d'exercice, puis c'est juste que tu transpirais, puis c'était ça de la infopub, mais c'est de la petite crasse. Une petite tente de sudation personnelle. Ouais, c'est que tu amènes partout où tu vas. Take it easy or take it to the max. To lose weight fast and easy, relax, because Slim Suit is made for you. But it's not available in stores, so get ready to order your very own Slim Suit now. Suez dans l'autobus, ne perdez pas de temps, perdez du poids. Ouais. C'était ça pour vrai, ça disait vraiment pas besoin de faire l'exercice. Tu portes ça, tu regardes la télé, tu vas perdre du poids, puis ça marchait pas. Non. Ouais. Est-ce quelqu'un qui a déjà, tu sais, l'espèce de strap qui te shake la bédaine? Voyez-vous de quoi je parle? Ouais, c'est une espèce de machine avec un anneau que tu te mets autour du ventre, puis là, ça te brasse de même. Comme dans Elvis Graton. Exact. Ouais, y a-tu quelqu'un qui a déjà fait ça entre vous? Non, mais ça fait longtemps que ça n'existe plus parce qu'ils se sont rendus compte que ça marchait juste pas. Puis je pense que quand j'étais en âge, mettons, d'aller dans un gym, je pense qu'il n'avait déjà plus. Fait que j'ai jamais essayé ça. Je sais pas si en âge d'aller dans les gyms. Ben, je sais pas, il n'y a pas. Ben, plus moins d'âge pour aller dans un gym, mais tu sais, mettons que j'étais ado, là, que j'ai commencé à aller dans un gym. Là. Non, t'allais pas dans un gym ado. Oui. Voyons, Joël, si je te connais ado, 18 ans, je suis ado. Cégep peut-être, mais au secondaire, t'allais pas au gym. T'as la même place que moi, et dans la cave chez McBain, est-ce que 3, 2, 1, Navy! Okay.
Devil's Dynamite est réalisé par Godfrey O, un réalisateur qui se cache régulièrement derrière des pseudonymes. Puis Jean-Gab en a parlé dans l'épisode sur Robot Vampire en juillet, mais je vais y revenir parce qu'au fil des recherches, j'ai découvert un shitload de noms qu'il utilisait. Tu sais, on en avait noté 4-5, mais c'est plus comme un genre de paragraphe. Puis là, je les nommerai pas toutes, mais je vais les mettre à l'écran. Il a vraiment utilisé comme une trentaine, quarantaine de pseudonymes différents. Dont Joel Livingstone pour Robot Vampire 1 et 2 et probablement d'autres films aussi. Je passe vite vu qu'on a déjà parlé de lui il y a quelques mois, mais il est crédité pour la réalisation de 149 films. J'ai lu dans une entrevue que même lui ne sait pas c'est quoi le chiffre exact, surtout parce qu'il y a beaucoup de films qui ont été relancés, qui ont servi à faire du cut and paste. Fait qu'il il a comme perdu le fil là-dedans, il ne sait plus trop combien de films qu'il y a dans sa filmographie. Puis si lui ne sait pas, qui va le savoir, honnêtement? C'est ça. c'est triste, là, tu sais. Ouais, ils ont tellement botché ma job que je ne sais pas combien. Qu'il y en a de marde. Ah, oh, mais c'est lui qui était en salle de montage beaucoup. D'ailleurs, l'acteur dont je parlais plus tôt, qui l'a un peu à travers la gorge, disait que ce gars-là était pourri sur un plateau, qu'il passait son temps à essayer de sauver la donne dans une salle de montage, puis c'est le même qui en est venu à faire du cut and paste. Puis d'ailleurs, Godfrey O, lui, nie avoir fait ça. Du cut and paste, mais tu sais, c'est évident. J'imagine que c'était facile pour lui, tu sais, sur le plateau, de faire comme, hey, on va reprendre cette scène-là, mais change un peu ça, j'ai une nouvelle idée, change-les, cette affaire-là. Puis il faisait ça, puis il refaisait ça à chaque scène. Je veux juste t'ouvrir, tu sais, fait que fais-les en Krusty le clown. OK, je vais te l'essayer en Krusty, mais je pense sincèrement non, pas que ça. Arrête de t'assiner. D'ailleurs, ce gars-là réalise plus depuis peut-être une vingtaine d'années, je pense, mais il enseigne le cinéma. Si je me souviens bien, à Hong Kong. Fait que, note à nous, pas aller étudier en cinéma à Hong Kong. Non, mais tu vois, mettons, en sachant c'est qui le gars, j'aimerais ça suivre un de ses cours, genre, voir c'est quoi son think. Ça doit être fucked up, tu sais. Puis même, que c'est des films de merde, on s'entend. C'est quand même, ils ont fait au moins 140 films de plus que nous. Ben, c'est là que Neil Breen a étudié, ça. Be creative. As a filmmaker. Je veux revenir à la filmographie de Godfrey O, d'à peu près 150 films. C'est quand même drôle parce qu'il y a à peu près la moitié de ces films-là qui a Ninja dans le titre. Ouais. Ouais. Ça fait beaucoup de films de Ninja. C'est vrai, sûrement qu'en fait, tu sais, j'ai eu ma part, j'en parlais avant l'enregistrement, j'écoutais des films de Ninja puis des films de Kung Fu. Chris, je suis pas mal sûr. C'est sûr que j'en ai écouté de lui, là, au nombre qu'il a fait. Là. C'est sûr que ça a croisé mon chemin, en fait. Là. Je fais un tour de la liste, voir si... Il y en a sûrement des meilleurs, des plus so bad it's good que ça. Philippe! Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Ta gueule! Viens ici, sale enculé! Salaud! C'est moins nanardesque, puis ça explique peut-être aussi pourquoi c'est un film qui est passé un petit peu plus sous le radar. Quand je cherche des infos sur Devil's Dynamite, t'en trouves vraiment moins que sur Robot Vampire, l'original, le premier Robot Vampire. Faut creuser pas mal. Puis tu sais, même sur Rotten Tomatoes, il n'y a aucune critique, ni des internautes, ni de la critique. Un 3.9 sur 10 sur IMDb, mais attribué par un maigre 163 reviews, ce qui n'est pas beaucoup. Mais il est quand même disponible sur Amazon Prime US. Oui. Sur YouTube aussi, les gens qui veulent l'écouter, c'est tout sur Wu-Tang Collection, une chaîne YouTube avec plein de films de la Filmark. OK, fait que c'est comme officiel, une chaîne comme... Non, je dirais pas que c'est officiel, mais c'est officiel qui est là, par exemple. Ben, c'est l'acteur en tabarnak qui se venge puis qui est gratis sur YouTube. Ouais, c'est ça. Ça va se dire... Pour faire l'argent des publicités. La copie qu'on avait, c'était quand même un peu laid. Il y a beaucoup de scènes qui se passent dans le noir puis je voyais rien. Je pense que c'était un DVD rip. Parce qu'il existe un double feature, un Robot Vampire et Devil's Dynamite en DVD. OK. Fait que c'est un rip bootleg, là, comme on peut trouver en Chine. Là. Ouais, ben, tu sais, le transfert qu'ils ont fait, ils l'ont fait avec ce qu'ils ont pu récupérer, j'imagine. Puis c'était peut-être pas le film le mieux conservé de l'histoire du cinéma. Là. Bon, c'est peut-être la seule copie qui existe. On sait pas. C'est ça. Mais apparemment que sur ce DVD-là, Devil's Dynamite sort vraiment mieux que Robot Vampire. Fait que si, mettons, ce qu'on avait, c'était un DVD rip, imagine comment Robot Vampire, c'était de l'hostie de marde. Ça devait être comme 4 pixels. C'est ça. Un peu de beige. Un jeu de PlayStation 1.
Ça commence assez raide. On est dans le feu de l'action. En partant, il y a un prêtre qui fait un genre de kata magique avec des sound effects boboches. Et on l'a dit plus tôt, c'est quelque chose qui va revenir tout le temps, ça. Pour les kata magiques, là, c'est, je pense que c'est ça qui a remplacé les guns de Robo Vampire 1. Ouais, Chris, c'est vrai. Il y en a tellement. C'est vrai. Il y en a vraiment beaucoup. Puis plus ça va, plus ça a l'air improvisé. T'sais, il y a un moment dans le film où j'ai fait « Ça a l'air improvisé encore plus que le reste du film. » Improvisation comparée qui a pour titre « Au bord du gouffre ». Puis il y a un autre qui arrive, Ronald, clairement un méchant. Fait que là, notre karatéka prêtre dit qu'il se sent observé, pas par l'armée de vampires, mais par quelqu'un d'autre. Puis Ronald sort une petite poupée vaudou qui magane le prêtre. Le prêtre va devenir possédé. Puis tout ça, ça se passe dans la première minute, puis le générique est encore brûlé par-dessus l'image. C'est très bizarre, parce que c'est comme un moment clé du film, mais il y a encore des titres qui apparaissent par-dessus. T'sais. En plein milieu, là. Ouais, ouais, c'est vraiment gossant. T'sais, j'étais comme, OK, c'est parce que ça a l'air important ce qui se passe, mais il y a des gros noms qui apparaissent. De surcroît, des gros noms fictifs, fait qu'on s'entorche un peu, dans le fond. Ouais, c'est ça. Fait que le prêtre réveille les vampires qui avancent comme dans Robo Vampire en faisant des petits bunny hop. Moi, j'étais content de voir les vampires lapins. Ouais, ben c'est probablement ça le lien avec Robo Vampire, là, bon, ça, ouais. Ouais. Le robot, entre guillemets. Là. Ils sont rendus bleus aussi, les vampires. Là. Ouais, c'est vrai qu'il y a une teinte bleutée. Une teinte plus bleutée ouais. que. C'est vrai, Chris, comme les fantômes dans les TV movies de Casper. Oui, ah, il était blanc dans le premier, mais bleu dans le dernier. Ouais. Puis moi, il y a une affaire que me semble qu'on avait parlé dans le premier. Tu sais, il y avait que j'avais été surpris du fait qu'il y avait des blancs dans un film qui était tourné en Chine, à Hong Kong ou Taïwan. Puis là, le chef, tu sais, c'est un blanc. Mais ça me surprend encore. On dirait dans ma tête, on écoute un film qui est purement, tu sais, qui vient de Chine, mettons. Puis c'est vieux, là, tu sais. Puis ouais. je fais le saut encore de voir que. Ben, il joue souvent les méchants. Ouais. C'est comme ouais. nous autres, c'est comme nous autres des années 70. Qui jouait les méchants? Les Russes. Ouais. Des années 70, ça. Mais ça s'applique encore aujourd'hui quand ouais, même. Ouais, encore. Là. What a shame your father won't be alive to see you promoted. Neither will you. Ce personnage-là, on voit pas beaucoup, hein? On le voit au début, oh. Il revient après comme 45 minutes. Ronald, ouais, il sert à rien. Je sais pas si c'est parce qu'il est américain qu'ils ont donné le nom de la mascotte de McDo. C'est peut-être Ronald pas maquillé. Ah. Oh! C'est pré-Ronald, en fait. C'est genre, il va tomber dans un bassin d'acide, puis là, il va revenir. Ronald McDonald. C'est Ronald Origin. Ouais. Fait que Ronald demande au prêtre de créer le plus de vampires possible. Puis là, il fait son rire de maniaque. Puis on switch à un ninja qui vole. Puis ça, c'est une scène très, très sombre. Tu le disais tantôt, Joël, le transfert était pas très beau. Ça, c'est une des scènes qui est excessivement sombre. T'sais, on voit genre des silhouettes noires dans le noir. Là. Fait que On dirait qu'ils ont filmé ça. Ils ont filmé un écran dans un cinépark. Ils ont écrit ça sur un DVD. Fait qu'il y a un des ninjas qui s'appelle le Mr. Fox qui donne l'ordre au ninja d'éliminer Stephen Cox. C'est Fox, ce c'est Cox. Pas Cox. Encore c'est qui Stephen Cox. Non. Moi, le film était tellement plate que moi, je voulais juste noter des jeux de mots avec Cox. Ça faisait penser, pas tant des jeux de mots, mais juste des répliques. We've lost Cox. On a perdu des queues. non, mais c'est juste, ça faisait penser à Dewey Cox dans Walk Hard. It doesn't say Cox, unless I say it tastes like Cox. Si jamais ça vous est familier, Steven ou Steve Cox, parce qu'il l'appelle des deux façons dans le film, c'est soit parce que vous êtes des fans de baseball, soit parce que vous avez un historique de gay porn très chargé. OK. Joël, peux-tu nous éclairer là-dessus? Non, ouais. C'est juste qu'il y a des films d'armée que j'écoute. Oui, puis là, tu sais, dans le fond, c'est là qu'on voit des jumps en reverse, dans le fond, là, ouais. De l'attaque de ninja. Puis, tu sais, j'ai noté que c'était bien utilisé.
En fait, c'était vraiment bien placé. Puis je trouvais que quand il se déplaçait, il faisait que Ninja se déplace, mais le bruit, comme pour noter comme les pas qu'ils font, c'est comme quelqu'un qui déboule des escaliers. Fait que j'imagine juste comme le bruiteur, il fait comme oh, il faut genre juste ce son-là, puis il se pitch en bas des escaliers. avec un micro et un enregistreur. Donc, c'est ça. Ces ninjas-là sont à la recherche de Steve Cox, puis ils cherchent. Ah, t'es du coq! Ils cherchent, puis ils se rendent compte qu'il n'est pas là, mais ils se font attaquer par des vampires. Puis vampires qui, comme dans le premier film, si je me souviens bien, on les arrête avec un genre de post-it dans le front. Mm-hmm. Ouais. Moi, ça me faisait beaucoup penser, je ne sais pas si on en a parlé dans l'épisode de Robo Vampire 1, mais ça me faisait beaucoup penser au récent Cheese Challenge. De lancer des tranches de single craft dans la face des jeunes. Ouais, je l'ai fait avec mes filles, astic, c'est trop. Je sais, ça me faisait beaucoup penser à ça. Qu'est-ce que tu fais là? Garde ça, puis montre-leur quand ils vont avoir 18 ans, ils vont être contents. Ah, ils vont avoir ben des niaiseries à checker, ouais. Souris-tu, ouais? Correct. On comprend que Steven Cox est relâché après 10 ans d'emprisonnement. Tout le monde dans la ville est sur le cul. Tout le monde a l'air de savoir c'est qui. Puis nous, à ce moment-là, on sait pas c'est qui. Fait qu'on rencontre Alex, qui est le personnage dans le synopsis de tantôt, le bienveillant Alex, qui se transforme en robot. Qui se demande lui aussi c'est qui Steve Cox. Fait que il va poser la question à quelqu'un, puis il n'a pas le temps d'avoir la réponse que pouf, il y a des vampires qui débarquent et là, lui se transforme en robot pour la première fois. C'est vraiment plus proche d'un super-héros que d'un robot. Ouais. Mm-hmm. Ben en fait, il s'appelle quoi? Shadow Warrior, je pense. C'est Shadow Warrior, ouais. C'est un Shadow Warrior. Ouais, c'est ça. C'est parti d'une gang, mais on le voit juste lui. C'est fuck all un robot. Le seul lien, c'est qu'il a l'air en aluminium. Il est en argent, ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, il y avait un deal sur le tissu argenté. En fait, ouais, c'est ça. Ouais. Il y a la couverte, là, tu sais, quand on a froid, là, il y a des couvertes d'aluminium. Ouais, là, c'est ça. Il y a des sinistres. Ouais, c'est ça. C'est fait un alibi en couverte thermale. C'est lettre, mais au moins, c'est excusable vu que c'est pas un robot. Tu sais, dans le premier robot vampire, le robot était supposé être en métal, mais c'était clairement du tissu. Ah, oh, ouais, c'était lettre, là, le premier. Là. Moi, j'ai fait le saut, là. J'étais comme, tu sais, dans Robot Vampire 1, le robot, on le voit après une demi-heure, je pense, là, il arrive vraiment tard, puis là, ça fait 5 minutes, pouf, il apparaît de même, je suis comme, ok, c'est ça le robot, ok, c'est pas un robot, ça? Et moi, j'étais pas sûr, c'est vraiment ça le robot, puis après, comme la moitié du film, ok, ça va être ça le robot, il y a pas un vrai robot qui arrive, j'étais vraiment déçu, là. Mais c'était plus intéressant à voir les combats du 2 que du 1. Tu sais, là, le 2, c'était des combats de kung-fu, mettons, tu sais, à la hauteur qu'il faisait à l'époque. Puis le 1, il était juste comme... Je me souviens plus qui. Il y a quelqu'un qui parle de Marie, qui est un personnage assez important, qui est comme la boss du casino. À ce moment-là, on ne sait pas exactement c'est quoi son rôle. On va en savoir plus tard. Marie a ordonné à Ronald de créer les vampires pour se défendre de Steve Cox, qu'elle avait trahi 10 ans plus tôt. Tout le monde avait compris ça? Oui. Bon, plus ou moins. Je sais plus. Pour vrai, j'écoutais à moitié des bouts. Ah, OK, c'est beau. On comprend dans le fond que Steve Cox sort de prison, veut se venger de Marie. Fait que là, il se rencontre dans la chambre de Marie. Puis elle va essayer de se tirer dessus, mais lui, il avait un coup d'avance. Fait qu'il a enlevé les balles dans le gun. Puis là, il essaie d'y crisser un coup de poing en rond. Puis il se bat, tu sais, les vieux à LCN, là, qui tombent sur le côté. Hein. Il se bat comme... Oui. il crisse une bonne claque. Mais ben, tu vois qu'il appogne pas, mais... Il a pogné à ton batteur. Ouais, c'était une bonne droite. Là. C'était une bonne droite. Droite là. Ce coup-là en rond, Mathieu, ça a-tu un nom? Parce que je rappelle à nos auditeurs qui ne te connaissent pas, mettons, que tu fais de la lutte. Ouais, je fais de la lutte aussi. Ça, je pense que c'est plus un uppercut, c'est plus de même. Ouais. Un crochet. Un crochet. C'est plus un crochet. Pas un expert de boxe, moi je suis un expert de lutte. Moi je suis capable de toutes les passes de lutte. Là, j'ai un super kick, une souplesse, toute la prise en quatre. Puis, mais. Je suis capable de faker un crochet. Moi je suis capable de faker, de recevoir un crochet. Ouais. C'est grave parce que les noms de lutte là, sont cool parce que comme tous des noms genre qui pourraient fitter pour des passes sexuelles, genre.
La souplesse, la passe en quatre, le lapin dans le terrier. Le Full Nelson, je pense que c'est vraiment... Le pile driver. Mais Full Nelson, je pense que c'est une vraie position sexuelle. Ouais, un Full Nelson, c'est clair que ça peut clairement virer sexuel assez vite. Anto, il va mettre ça au montage, il va mettre ça à l'écran, belle image. Ouais. Non censuré, s'il te plaît. En fond, faire l'amour, on fait ça pour se rapprocher d'une personne, pour se montrer à quel point on a de l'affection l'un pour l'autre. Mais quelqu'un fait son crochet, là, Stephen Cox, me semble, il y a un style d'espace. Clairement, il touche pas. Ouais. Non, il touche pas. Il touche pas, mais elle a fait avec l'impact pareil. Ouais. Ouais, non, c'est des professionnels, ils ont joué dans 150 films, ces gens-là. C'est ça. Il y en a au moins 20 qui ont tourné pour vrai là-dedans, en plus. Fait que le mari de Marie, Louis, vient la sauver. Lui, c'est un policier. Il vient la sauver. Il menace Steve Cox avec un petit fusil, puis Steve s'en va tout bonnement. Juste comme ça. Il va faire un bout. Il est super cocky tout le long, en fait. Là. Ouais, fait qu'il s'en va gambler. Et là, ça devient, même la scène juste avant, ça devient un chunk du film Giant of Casino, dont je parlais plus tôt. Mais vraiment, tu sais, là, on le voit aller gambler. Marie envoie des hommes après lui, puis ils se battent autour d'une table de gambling. Puis on comprend que Steve Cox est en fait le roi du gambling. The Gambling King. Exactement. Parce que, tu sais, on le voit jouer, puis il gagne 100% des fois. 100%, ouais. Il gagne. Puis à un moment donné, le monde se met à miser comme lui parce qu'il gagne. Puis ouais, en fond, il est juste chanceux, il triche pas. Je pensais qu'il avait un twist. Non, mais il décèle la mascarade. D'ailleurs, à un moment donné, un certain moment, dans le même casino, un croupier triche. Puis il monte ça à tout le monde. Puis là, tout le monde repogne leur cash en arrière de la table. Puis, tu sais, c'est un bon gambler. Là. C'est dans ce casino-là que François Letourneau, à un moment donné... Oui, je l'ai remarqué aussi. Je l'ai vu aussi. Ouais. Puis c'est drôle, ben Joël, il me dit, y a-tu un sosie de François Letourneau dans celle-là aussi? Puis... J'avais oublié que tu avais parlé de ça dans le premier épisode, mais à ce moment-là, quand j'ai écouté le film, j'ai fait « Hey, il ressemble donc à François Letourneau, version Savonise, un peu cheveux plus longs. » Ouais. Dans le premier Robot Vampire, c'était François Letourneau, version femme, parce que c'était la princesse qui ressemblait littéralement à François Letourneau. On revient au prêtre qui fait un kata vraiment bizarre. Tantôt, Mathieu, tu disais que c'était les nouveaux guns de Robot Vampire 1, les kata magiques. Petite flamme, feu de Bengale, post-it dans le front, tu sais, tout est là. Ouais, il fait de l'acupuncture, mais version hardcore, là, parce que c'est comme pour guérir les vampires, mais tu sais, il plante des aiguilles, mais avec violence, tu sais, pow! Ouais. Ouais, il est guéri, puis ça va prendre 10 jours, là, puis ils sont battus contre des ninjas. Ouais, puis il en réveille un, genre, à un moment donné, juste pour le narguer. Ah, ouais. Il réveille, ouais. Il fait des passes, il gosse, il remet le truc d'en face, t'es toi. Ronald débarque. Y a-tu juste moi qui trouve qu'il a un petit peu l'air du chanteur de System of a Down, ce gars-là? Ouais! Ouais, un peu. Un petit cas. Moi aussi, je trouvais ça. OK, ouais. Quelque chose de Serge. Il manque la barbe. Peut-être la barbe qu'il a faite en. Ouais. Ouais, il manque une barbe. Ouais. Un peu, en tout cas. Il dit au prêtre que c'est la fête de Marie demain. Fait que le Shadow Warrior. Le robot. On va dire le robot. Ça fit mieux dans ma bouche, robot. Va être là à la fête de Marie. Fait qu'on passe à la fête de Marie, puis il y a un gâteau immense, il y a des violonistes, du gambling, et Steve Cox, il est encore là. Il lâche pas le morceau, Steve, quand même. Steve à la merde. Danse avec Marie, puis il dit que les vampires, ils font pas peur parce qu'il y a une arme contre ça, lui. Fait que les ninjas devenus vampires ou zombies, c'est pas trop clair, veulent s'en prendre à des enfants. Ça, je passe vite là-dessus, parce que c'est comme une espèce d'histoire en parallèle dont on se semi-touche. Il y en a un des enfants qui ressemble à Shaozu dans Dragon Balls. Ah, OK, en quoi, ce qui est maquillé? Là? Il est maquillé, puis il y a les deux pommettes rouges. Pour le vrai, il y a le même petit chapeau, puis les pommettes rouges. Je ne sais pas si c'est quelque chose de culturel. Là. Ça peut-être que c'est quelque chose de culturel au Japon. Là. Ça fait partie du folklore, peut-être. Mais en même temps, c'est pas japonais. Là. Ça vient d'Hong Kong, mais... Ouais. Pour peut-être un lien à faire. Mais moi, j'ai noté que ça... Ouais, vas-y. Moi, j'allais dire, en même temps, tous les films de la Filmark, les dates de sortie sont approximatives. Fait que peut-être que Dragon Ball existait quand ils ont fait le film. Mm-hmm. Ils ont peut-être fait ça il y a 2 ans, on ne sait pas. Dragon Ball, c'est quand même vieux. Là, je pense que c'est 84 que ça a commencé. Hein, pour vrai? Hein, 84? Oh, ouais, c'est pas les années 90?
Non, 84, que, en tout cas, les BD, là, puis les, même le cartoon, c'est des années 80. Hein. Puis moi, j'ai noté que le petit gars avec les pommettes, ben, sa voix doublée était dégueulasse. Don't worry, I'll take care of them, don't worry! Oui, parce que d'ailleurs, un peu plus loin, le petit gars avec les pommettes, on va en parler tout de suite, va dire quelque chose comme « But you were so kind to me! » Puis il sonne vraiment comme Danny dans The Room. But last time you were so kind to me! Stop ganging up on me! Alex le robot vient sauver les enfants d'une attaque de vampires, puis quand les enfants sont sauvés, la petite fille s'en va au ralenti avec une musique qui faisait très conte pour tous. Ben moi, j'ai noté la musique qui faisait Dr. Dougie. Il écrivait son ordinateur, son journal intime, puis il y avait comme une musique qui ressemblait un peu à ça. On passe à un gars, ça, je le survole, ben ça m'a fait. C'est peut-être un des seuls rires, gros rires pour moi dans ce film-là. On passe à un gars qui répond au téléphone. Je sais pas si ça vous parle, cette scène-là. Il y a un dude qui est couché dans son lit la nuit, qui répond au téléphone, puis il est essoufflé d'être couché, on dirait. Mais comme il répond, puis il est comme. C'est super weird, là. Puis c'est ça, j'ai noté ça, ça m'a fait barrer. Puis ce gars-là, je sais même pas c'est qui dans cette histoire-là. Je sais même pas si on le revoit plus tard. Peut-être qu'il y a une hotline de sexe, là, puis il pensait que c'était son réflexe. Dans le cut and paste, ils l'ont pris dans un film de cul, puis ils l'ont collé là parce qu'ils trouvaient ça drôle, on dirait. Yeah. Speaking. It's Stephen Cox, huh? What is it? What? Il y a des gens qui essaient de retrouver l'art de Steve Cox qui est enfoui. Qui est enfoui. Puis les policiers arrivent, en tuent un. Steve pense que ce vol-là est orchestré par Marie. Fait qu'il va la voir sur la plage, il essaie de la tuer. Il calisse une volée à Marie. Puis Louis débarque encore, puis le défi. Puis Steve se défile encore une fois tout bonnement devant Louis. Fait que Marie ordonne le meurtre de Steve Cox, puis elle a pas fini sa phrase que ça coupe avec un camion rempli de gens qui veut tuer Steve Cox. Puis c'est la première cut un peu sloppy du film, mais après ça, il y a comme une dizaine de cuts très, très, très bizarres avec le pitch qui change. Vraiment comme si on avait rabouté deux VHS ensemble. Là, c'est... La meilleure cut, vous allez sûrement penser la même affaire, la scène où le gars se fait crever un œil et on passe suite à un mariage. Exact. On revient au temple des Taoïstes, puis le prêtre fait une petite chorégraphie que c'est vampire encore. Alex débarque. Son costume est toujours aussi dégueu, puis ben voilà, ça bouge, ça saute de tout bord, de tout côté. On se rend compte qu'Alex a un genre de petite capelette. Moi, je ne l'avais pas remarqué vraiment avant ce bout-là, parce que tout est un peu comme flou et en aluminium. Là. Alex trouve la cloche, la petite cloche qui commande les vampires. Puis il réussit à envoyer les vampires à les envoyer ailleurs. Puis il se rend compte que son pote Tony est blessé. T'sais, il a été mordu. Fait que ils vont essayer de le soigner avec un maître taoïste. Puis là, Tony va entendre qu'il va mourir bientôt. Fait qu'il se donne la mort. Il se fait genre harakiri, je pense, avec un couteau. Ouais. Je parle même culture, mais c'est correct. C'est un peu raciste. Hein? Ouais, c'est très raciste tantôt. Je suis un peu mal à l'aise. Ben, je pensais que ça s'appliquait à tous les suicides d'un couteau planté. Puis... Non, Rakiri, c'est une méthode d'exécution, auto-exécution. C'est un rituel japonais, en fait. Ouais. C'est un rituel. Genre, ça vient avec comme plein d'affaires. Là, genre, faut que tu sois habillé propre, tu nettoies tes couteaux. Puis, c'est genre. C'est une belle façon, une belle mise à mort, mettons, comme pour essayer d'honorer le dernier bout de ta vie, mettons. Ah, c'est trash, c'est vraiment trash. Je vous invite à écouter le podcast de... Ça serait vraiment cool si, à OD,
Il s'éliminait de même. Oui. Ouais. Hello, c'est Marjo. Merci. T'es correct? Ouais. OK. Moi, j'ai une joke de mauvais goût à faire. Ça vous tente-tu d'entendre? Ben oui. Vas-y. OD, en même temps, un OD version qui sont des Arakiri. Ça s'appellerait ODD Fortin. Ouch! Aïe, aïe, tabarnak! Je suis tellement fan de ces blagues-là. Là. Ben, je l'ai dit que c'est de mauvais goût. Mais c'est est excellente. Ouais, j'aime ça, moi. C'est excellente. Ça donne un frisson. Je suis en colère! 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 Les méchants mettent sur pied un plan pour attraper Cox lors des funérailles de Tony. Une autre cote très raide. Les méchants débarquent en tirant Cox aux funérailles. Une autre cote très raide. Deux cotes très raides, back à back, là, genre dans la même minute quasiment. Deux coques très raides. C'est ça, ouais. Deux Cox. À un moment donné, il y a quelqu'un qui dit « A good place to get rid of Cox ». Un bel endroit pour se débarrasser de pénis. It's an ideal place for us to finally get rid of Cox. Là, t'imagines comme un fossé, là, puis vide un sac de pénis. Là. Amenez les pénis! Fait que la gang de Fox qui a été engagée par Marie tiennent Steve Cox en otage, puis essaie de lui faire dire où se trouve son or qui est enfoui quelque part. Puis là, Fox est comme en bas d'un bateau, si je me trompe pas, puis je trouve qu'il fait une face un peu à la De Niro quand il dit « Right, I think I know a way ». Il est comme... Je suis pas capable. Joël, es-tu capable d'imiter De Niro? Pas tellement. Je sais pas, non. Non. Hey, t'étais proche, pour vrai. Fais donc ça. C'est le meilleur que je suis capable. C'est sont loin mes années de théâtre. Là. Non, regarde, vas-y donc. J'essaie depuis tantôt, mais... Deck en théâtre, pas fort. Ouais. C'est pas un deck en De Niro qu'on a fait, OK? Hein? C'est déjà mieux que moi, mais il y a beaucoup de monde qui le limite, hein, De Niro, puis qui le font bien, généralement. So, Bob, how are you? Yeah, I'm fine, yeah. Now, this film, The Good Shepherd, it's a pretty impressive piece of work. Oh, yeah. Yeah. La gang de Fox veut tuer Louis en échange de l'or de Cox de façon à ce que Marie soit vulnérable et que Cox puisse tuer Marie. Ça, ouais, là, c'est peut-être fourrant, ce bot-là. Là, mais... J'ai aucune idée où est-ce qu'on est rendu dans le film. Mais la scène de funérailles... Le bout de sa plage, là? Non, on est plus loin que ça. Là. Ah ouais, ouais. Mais t'as-tu passé, il y a une scène de funérailles puis il y a une femme, il y a comme une femme dans le coin, en haut à gauche, puis on dirait que c'est juste une tête découpée. Tellement qu'il fait noir, tellement que c'est sombre. Ça se peut, oui. Je sais pas pourquoi ça me faisait penser à la référence de Passepartout encore. Tu sais, la toune « La nuit est dans mon lit ». La nuit vient dans mon lit. Ça ressemblait à ça ou la scène de sexe Postigo Marina Orsini dans les phases dans le coin. Tu sais pourquoi je m'emmerdais pendant le film, fait que je vais juste chercher qu'est-ce qui était drôle. Là. Je dis, non, oui, ça, c'est bien. Cox, c'est drôle, puis c'est ça. Fait que Steve Cox est en otage pendant ce temps-là. C'est vraiment deux histoires en parallèle qui se croisent à peu près jamais, en fait. Là. Ouais. Pendant ce temps-là, Alex demande à un maître taoïste de l'aider à battre les vampires. Celui-là, le maître taoïste, va réaliser que le prêtre taoïste, au début du film, est en fait possédé. C'était ça le rituel là, avec la petite poupée voodoo. Ouais. J'étais pas sûr, c'était pas si clair au début du film. C'était pas clair qu'il était possédé. Là que j'ai compris tant que ça. Ouais. Bon, mais au moins, on avait la clé quelque part, ce qu'il n'y avait pas nécessairement dans Robot Vampire 1. Là, tout s'explique ou à peu près. C'est déjà plus. Oh, oui, ah, c'est crissement moins fourrant que Robot Vampire 1. Là. Puis pour en arriver à cette conclusion-là, le maître taoïste fait un genre de mélange de tabasco puis de feu. Puis là, il fait une chorégraphie absurde encore. Puis avec des sound effects dégueulasses. C'est quelque chose qui résume assez bien le film. D'après moi, on peut faire un genre de 45 minutes de kata magique dégueulasse. Mais là, vous n'avez pas encore parlé de son saut de jaune. Ouais, en fait, c'est lui, le maître taoïste, qui a un saut de jaune. Ça. Son saut de jaune, là, moi, là, à un moment donné, j'ai juste fait « OK ». Il y a comme un rond, là. Moi, j'étais comme, c'est un minion. Joël, je pense qu'il est fan des minions, ça se peut-tu? Non, moi, je les aime pas, mais c'est ma sœur, elle les déteste avec passion. Là. Genre, elle est en tabarnak avec avoir un minion.
Genre les minions gonflés, là, des décorations dehors, là, d'Halloween ou de Noël, à la goutte des stables. Ah non, t'as peu. Le monde qui peinture des tires en minions puis qui met ça sur leur terrain en avant, là, ça, c'est non. Pour vrai? J'ai vu ça. À Saint-Urib, j'imagine. Non, pas par chez nous, non. C'est ça, j'ai vu ça en Mauricie. C'est vous autres les coupables. Ah, c'est ça. Le film dédié aux minions, ça a l'air que c'est vraiment pas bon, mais ben, c'est... encore là, je l'ai pas vu. C'est peut-être bon. Despicable Me, je pense que ça passe plus. Là. Mais je pense que dans le 3, il y a vraiment la voix de Trey Parker. Ça se peut-tu? C'est pas impossible, mais le 3, il est pas mauvais. Là. Le super méchant, c'est genre un enfant star. Quelqu'un qui est devenu ado, mettons. Ils ont comme enlevé sa série. Fait que là, il est devenu comme super fâché de ça. Fait qu'il est devenu un super méchant, mettons. Mais il est comme resté pogné des années 90. Fait que, genre, ses armes, tout le temps, genre, de la gomme ballon ou de la musique avec la guitare piano, puis... J'ai le feeling il sonne comme le film de David Spade, là, D.K. Roberts, ex-enfant star. C'est sûr. L'ex-enfant star qui doit aller vivre dans une vraie famille pour comprendre comment ça se passe, être en famille, parce que son enfance a été fuckée par le showbiz. Ben, c'est un peu ça, ouais. OK. C'est la vie de Macaulay Culkin, ça. Ouais. Il s'en est sorti, là, Michael Culkin, là, il a lâché la drogue, puis là, il fait plus de films, mais tu sais, il y a un podcast à Star. Ben, il fait plus de films, mais ma blonde, qui est dans le salon en train d'écouter la plus récente saison d'American Horror Story, présentement, me dit que Michael Culkin est dans la prochaine saison, dans la 10e. OK. J'étais comme content d'entendre ça. Il a fait aussi un stunt de lutte, je pense. Michael Culkin's feeling rowdy. What's he got in store? Like Joey Ryan and Candice LeRae, the world's cutest tag team. They're helping Macaulay Culkin set up some sort of booby trap. Oh my God! Oh! Bucket to the face! By all means, Hornswoggle should be dead! Oh, and a splash from Macaulay Culkin! 1, 2, 3! Christmas has been saved! Tu parles de stunt de lutte, j'ai envie, Mathieu, je sais que toi puis moi, pendant Fantasia, cet été, on a écouté le documentaire de David Arquette qui retourne à la lutte. C'était quand même super bon. Moi, j'ai aimé le documentaire. Ouais. Te souviens-tu ce que tu m'as écrit après avoir écouté le film? Qui était vraiment pathétique. Exactement. les gens qui ont l'occasion d'écouter ça, j'ai oublié le nom, par exemple. C'est You Can't Kill David Arquette. You Can't Kill David Arquette. C'est un documentaire sur lui, tu sais, qui il y a comme de quoi de pas régler avec la lutte parce que pendant la promo du film Ready to Rumble, il est allé faire de la lutte. Puis il est comme devenu champion dans sa ligue. C'est le pire, c'est pour le vrai, c'est le pire move là, de l'histoire de la lutte. Ils ont donné la ceinture, la plus grosse ceinture de lutte dans ce temps-là, qui était la ceinture World Heavyweight Champion de la WCW. Ils ont donné à David Arquette. Ouais. Tout le monde, t'sais, eux autres, dans la compagnie, s'est dit hey, on va faire un stunt. Ça l'a mis en tabarnak, les fans de lutte. Ils se sont dit oh, quoi, c'est arrangé, ça? Voyons donc. Mais tu sais, ça l'a mis en tabarnak avec les fans, mais aussi tous les autres lutteurs. Fait que pour le vrai, il n'y a personne qui respecte David Arquette dans la lutte. Puis tu sais, on le voit dans le documentaire, il essaie d'aller dans des conventions, dans des affaires, puis il se fait boulier, il fait rire de lui, jusqu'à temps qu'il décide de recommencer au bas de l'échelle, ce qu'il n'a jamais fait, parce que lui, c'est un acteur qui s'est ramassé à lutter dans un des plus gros shows de lutte. Puis il lutte dans des genre des backyards, genre dans des cours arrière de jeunes. C'est violent, là. Ah oui, puis à un moment donné, il fait plein de matchs bâtards, tu sais. Puis c'est ça, sauf que l'affaire, c'est que lui, qu'est-ce qui est chanceux, c'est que tu sais, il était quand même chumé avec Perry, là. C'est le gars qui jouait dans Beverly Hills 90. Luke Perry. Luke Perry, son fils. Ouais. Il lutte présentement dans la AEW, la All Elite Wrestling. C'est Jungle Boy, que c'est son fils. Fait que lui, il était déjà plugué avec bien des lutteurs. Fait que tu sais, je pense que c'est lui comme qui l'a aidé à se faire plugger avec du bon monde. Mais tu sais, il a réussi à lutter un peu mieux. Mais tout ça, c'était pour un stunt pour le film Ready to Rumble. Ouais. Puis lui, suite à ça, sa carrière, tu sais, après fin 90, sa carrière était plus ce qu'elle était dans le bout de Scream, puis Ready to Rumble, puis tout ça, tu sais.
Fait que dans le documentaire, il est comme, tu sais, je lande plus des gros rôles. Je suis comme un peu brisé d'avoir été faire de la lutte, puis tout le monde pensait que je niaisais le sport, tu sais, que j'étais là pour me moquer. Fait que là, dans le documentaire, il fait le plus sérieusement du monde. Comme Mathieu disait, il repart en bas de l'échelle. Mais c'est vraiment le fun comme documentaire. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Puis je connais rien à la lutte ou à peu près, tu sais. Fait que j'ai vraiment trippé là-dessus. Non, j'ai aimé ça aussi. C'était vraiment le fun, puis c'était vraiment bon. Mais tu vois que David Arquette, il a pas l'air sain mentalement comme personne. Tapette! M'a te prendre une slush king size. 1,27$. 1,25$, c'est tout ce que j'ai. Ce film-là, je le connais par cœur pour le vrai. Ah ouais? Ah oui. Moi, pour le vrai, c'est mon slap shot, là, tu sais. Ah, nice. On écoutait ça quand on était jeunes, là, puis, tu sais, en plus, c'est en québécois avec les ouais. voix de... C'est con, je pense que je te l'ai envoyé, Mathieu, mon... Ouais, t'inquiète pas, je l'ai écouté. Je l'ai même pas écouté moi-même. C'est incroyable. Mais ça a l'air semi... Je l'ai même pas écouté. Ça a l'air semi-joual. Ça a l'air comme québécois, mais... Ah oh, non, il y a du joual, là. Dis-lui qu'il me doit une pension alimentaire, que j'ai un bon nombre de factures qui sont pas payées à part ça. Que son petit pénis devienne tout mauve puis qu'il se retrouve dans le bol. Steve monte au méchant où se trouve son or. Il va déterrer lui-même puis les méchants vont lui dire, pour vrai, si ton or est pas là, le trou que t'es en train de creuser, c'est celui dans lequel on va t'enterrer. Ce que je trouve quand même badass comme réplique de méchant, moi. Mais il y a une bande qui vient en renfort à Steve Cox. Il y avait comme des alliés qui étaient cachés. Il donne son or à ses acolytes, puis il dit, moi, l'argent, c'est pas important. Tout ce qui m'importe, c'est ma vengeance envers Marie. Puis il y a quelqu'un qui donne un couteau à un des assaillants de Steve, puis c'est là qu'il dit comme faut que tu t'enlèves un œil. C'est celui qui a déjà une patch de pirate, fait qu'il a déjà un œil en moins. Oui, c'est vrai, j'avais pas remarqué. C'est moi qui ai mal lu les sous-titres, mais il me semble qu'il y a un des gars qui dit cut your own balls off. Cut your balls off! Coupe-toi les couilles. Non, les couilles, non mais en plus, il dit si t'es un vrai gars, tu vas te couper les couilles. Ouais, c'est ça. Fait que, il s'est mêlé, pour lui a mal compris parce qu'il s'est crevé un œil à la place. C'est cheap et assez gore, puis ça coupe super raide au mariage. C'est vraiment la cote la plus drôle, c'est-à-dire, ça coupe d'un gars qui se coupe un œil, il est full de sang, puis là, le pitch bouge, puis on tombe dans un mariage. Alex va interrompre le mariage par un appel téléphonique. Il parle à Louis, puis il accuse Marie d'avoir tué Tony. Marie, qui est super loin du téléphone, entend tout ce que Alex dit à Louis. C'est super bizarre. Puis là, Marie pogne le téléphone, donne de la merde à Alex. Cote raide encore, suite du mariage. Panne de courant au mariage. Tout le monde se sauve. Marie, sonne dans sa chambre, se fait attaquer dans le dos par Steve avec plein de E. Puis Louis va monter avec ses collègues policiers pour se rendre compte que Marie est disparue. Fait que là, les gars sont comme, OK, comment il a fait pour se sauver? Il y a un tunnel dans la maison. Trouve le tunnel, puis trouve Marie. Louis va trouver sa femme Marie morte. Puis on n'a jamais vu ce meurtre-là. Ouais. On se doute qu'il va arriver, mais on ne l'a jamais vu. Elle est juste morte dans le tunnel. Pendant faut écouter un autre film pour le savoir, c'est quoi que c'est passé. Ouais, il fallait écouter Giant of Casino. Pendant ce temps-là, le maître taoïste lance des fanions dans une chorégraphie rehaussée par des sound effects épouvantables, encore une fois. Il montre à Alex comment battre les vampires en lui peinturant sur le corps. Ah oui, c'est ouais. long, ça. Oui, c'est après, très long, ce bout-là. Un espèce de rituel, puis il y a comme des petites poupées, là, des petits bonhommes, là, puis qui lance dessus, là, puis ça ils rentrent dans lui, ils disparaissent dans son corps. C'est vraiment comme il monte de level, comme s'il est dans un jeu vidéo, puis il est boosté, puis il a les pouvoirs des éléments, ou je sais pas trop. Là. Quand le maître taoïste arrive pour terminer son rituel, ça ressemble de plus en plus à une pub de brûlement d'estomac, parce que tout shake, on entend un genre de puis là, Alex, il y a des petits spasmes avec sa bouche serrée, comme... il shake un peu. Puis il se transforme en robot, puis c'est parti pour le dernier acte. Il se bat, il y a un moment dans le combat où il a l'air de faire la split, comme luxonné. Quand Alex est à terre, puis il y a un moment où Alex est à terre, Ronald lâche un petit rire diabolique, puis le maître taoïste vient à la rescousse, puis c'est là que Alex devient encore plus un robot.
puis il se met à bouger comme Mr. Roboto, puis il fait le moonwalk. Tu sais, quand il fait le gros training, il lance des poupées, puis il rentre dans son corps, mais à ce moment-là, il rentre une genre d'autre poupée dans le dos qui est comme sûrement la poupée finale là, qui ouais, donne c'est ça, son final form. Final form, si. J'avais pas saisi ça. Très bon. Puis moi, quand je l'ai vu faire le Moonwalk, je me suis rappelé que Michael Jackson avait un film qui s'appelle Moonwalker. Ouais. J'ai accès à ça en français, puis je me demandais, on devrait-tu faire un épisode là-dessus un moment donné? Je pense que oui. Ça a l'air assez fucked up. Ça donnerait lieu à de belles rigolades, moi, je pense. À beaucoup de blagues de bon goût. Ouais, c'est ça. Il y aurait des bonnes blagues de Michael puis de Macaulay Culkin. Macaulay Culkin said in an interview that Michael Jackson never did anything inappropriate with him or even around him. Think about that shit. You know, I'm not a pedophile. But if I was... Macaulay Culkin's the first kid I'm fucking. I'll tell you that right now. I'd be a goddamn hero. Hey, that guy over there fucked a kid from Home Alone. And you know how hard he is to catch. Alex, le robot tue Ronald. Le maître taoïste fait vomir le prêtre possédé. Un genre de vomi de gruau. Blah. Puis, on revient à Louis, la police, qui cherche Steve Cox pour se venger parce que Steve a tué sa femme. Cox se cache dans ce qui semble être une maison, mais c'est tellement sombre en même temps qu'on ne comprend rien à ce moment-là. Puis, les policiers vont mettre le feu dans la maison pour faire sortir Steve Cox. Puis là, c'est la confrontation finale entre Louis et Steve. Puis, il y a une shot assez épique de Steve Cox avec du feu derrière lui. Moi, j'ai trouvé que c'était quand même une belle séquence. Ouais, il y avait des belles shots, là. Ouais, à ce moment-là, surtout. C'est là que Steve va révéler à Louis que sa femme Marie était en fait la reine du crime. C'est ça. C'est elle la grande méchante de tout ce film-là. Le lien Baba. C'est pas drôle parce qu'on le sait depuis le début, ça. T'sais, nous autres, on le sait, Louis le sait pas. Fait, c'est ça. T'sais, on s'en crisse, nous autres. Il n'y a pas de punch pour nous autres. Il y a juste un punch pour Louis qui est comme... Ouais. Mais Louis qui a voulu le tuer, Steve, 4 fois, tout d'un coup, devient comme ça, le chummy-chummy avec lui. Ouais. Louis sort de la maison avant que tout explose, puis il regarde Steve qui a décidé de ne pas sortir comme un capitaine de bateau, tu sais. Puis Louis regarde Steve, puis il fait comme « Steven! » Puis c'est comme si soudainement, c'était rendu son meilleur chum, tu sais. Ça fait 4 fois qu'il essaie de tirer dessus. Et c'est la fin du film. Pour moi, ça fait le tour. J'ai vraiment tout dit. Il n'y avait pas de fait saillant que j'ai omis de dire. Avez-vous trouvé de quoi, vous autres, de votre côté, les gars? Moi, j'ai déjà tout dit. J'ai pas grand-chose. Ouais, c'est sûr. Moi aussi, tout a été pas mal dit dans ce que j'avais trouvé. T'as qu'on en serait rendu à la note? Ouais. La note sur. Je le rappelle parce qu'on a un invité. Notre note qui est de 10 à moins 10. 10 étant un chef-d'œuvre, moins 10 étant un so bad it's good, tellement risible qu'on s'en lasse pas, en fait. Fait que, mettons, 10 étant à l'ombre de Shawshank et moins 10 étant un genre de The Room, ces affaires-là, tu sais. Je vais commencer par Mathieu, qui est notre invité. Avant que tu le dises, Mathieu, juste te rappeler que toi, tu as donné moins 3 à Robot Vampire 1. Merci. Merci de me rappeler, j'avais oublié. Mais moi, je pense que j'irais plus vers le... J'irais moins 1. Ouais, moins 1. Robot Vampire 1, il y avait plus de trucs tellement fucked up que c'était comme, my God, que c'est absurde. Là, c'était comme, c'était correct. Il y avait des passes le fun, mais tu sais, il n'y avait pas de trucs qui m'ont fait rire, genre en fou. Il y a des affaires que j'étais fait, wow, OK, c'est niaiseux. Mais overall, c'est pas un chef-d'œuvre parce que c'est pourri, là, mais c'est pas un so bad it's good. J'ai pas eu autant de plaisir que bien d'autres films que je regarde de ce genre-là. T'as pas eu tant de plaisir que le peu de plaisir que le 1 t'avait donné. Ouais. Parce que le 1, il y avait des affaires qui étaient absurdes, tellement absurdes que tu faisais comme « Oh my God ». Mais là, c'était comme moins absurde. Il y avait des passes drôles, que des faces du jeu d'acteur de merde, puis ça, c'était drôle, mais pas assez pour me faire pencher vers le moins 10 ou vers... Fait que je vais moins 1. Je ne mettrai pas 0, mais moins 1. Parfait. Jean-Gab?
Je vais. Ouais, moi aussi, je pense que je vais m'enligner vers ça. Je me suis posé quand même la question si c'est un positif ou un négatif, là. Dans le sens que ça ressemble beaucoup au lot de ces films-là, de cette époque-là, mais tu sais, de meilleure production, là. Mettons, Robot Vampire 1, on s'entend, c'est dans le négatif parce que tout, essentiellement, était à chier. Mais tu sais, t'écoutes un film de Kung Fu Ninja de cette époque-là, c'est ça. Fait que c'est-tu un négatif, un peu, en tout cas, bref. Mais je vais donner moyen, moi aussi, moyen. Tu sais, j'ai pas été impressionné par ce film-là. C'était pas bon, mais c'était surtout plate, en fait, là. Tu sais, il y avait rien de surprenant. T'sais, parce que tout le plus dégueulasse, c'était dans le 1. Puis là, le 2, c'est comme si c'était un meilleur film, somme toute. Mais c'est pas tant ça qu'on cherche. Puis tu sais, je mets pas 0 parce que j'aimais ça, moi, ces films-là, mettons. T'sais, les films de kung-fu puis de ce style-là, j'aime ça en général, mais lui, c'en était un qui était plate. OK, fine. Joël? Pour les mêmes raisons, ça va être moins 1. Parce qu'il a fait mes plates, puis c'est pas assez risible. Les scènes de Kung Fu, ça passe, c'est correct. Mm-hmm. Puis j'aurais préféré voir le film, tu sais, le film Les Bouts de Kung Fu. Je préférais voir ce film-là au complet que juste ce film-là rabouté. Ouais. Puis c'est ça. Moi, je m'emmerde en écoutant le film. Je suis juste, ah ouais, il a dit Cox, puis je trouvais que c'est. j'essaie de trouver des choses drôles à dire. En préparation de l'épisode, ah oui, je vais le dire ça à ce moment-là, ça va être drôle, mais tu sais, des fois, c'est forcé. Là. C'est comme, c'est pas. Ouais. Moins un. Ben, tout a été dit, moins un pour moi aussi. Fait que, en temps normal, dans le cabanon, on se taperait dans la main quand on a pas mal le même score. Et voilà. Merci, Joël. Joël, pas le retard. C'est le réseau chez eux. C'est le lag, ouais, ça lag. C'est déjà tout. Merci d'avoir été là encore une fois. Suivez-nous sur Facebook, YouTube, filmdanslecabanon.com, en audio partout. On est aussi sur Patreon, aussi avec du contenu exclusif chaque semaine où on n'a pas d'épisode. On sort nos épisodes réguliers 2 semaines. Les autres semaines, on a du contenu exclusif de nous qui découvrons les cassettes qu'on a achetées au Vidéo Centre-Ville, des tonnes et des tonnes de cassettes. Ça finit plus. Fait que les gens qui s'abonnent à Patreon ont accès à ça, en plus de nous encourager. Puis c'est bien apprécié parce que ça nous aide avec nos frais fixes. Frais fixes qui n'incluent pas la bière parce que c'est les grands bois qui s'en chargent pour nous depuis 2 ans, je pense, bientôt 2 ans en fait, que les grands bois sont avec nous. Très apprécié. Surveillez la Robot Vampire 2 dans tous les points de vente où il y a de la bière de la microbrasserie Les Grands Bois près de chez vous. Merci Mathieu d'avoir fait ça avec nous autres. C'était vraiment le fun. On va remettre ça avec Robot Vampire 3 ou un autre film. Ouais. Mais je vous ai quand même un peu forcé, tu sais, quand je t'ai dit genre, hey, on fait Robot Vampire 2. Ouais, t'as forcé le film, mais on était vraiment contents de te recevoir. Ben oui, mais ben oui. J'ai hâte qu'on te reçoive pour un film foutrement plus risible, cela dit, mais c'est une question de temps, ça. Ouais, ça va venir. Là. Ouais. À un moment donné, je checkerai dans mes archives personnelles. Là. Puis je sortirai des films que c'est nous autres qui a fait.